Finalement, j'ai considéré que la seule fois où on a été en capacité de voir d'où je venais, c'était un séminaire que je faisais il y a quelques années aux États-Unis, et j'ai dit que je viens du centre de la France, donc voilà, ça paraît beau. La personne ne voit absolument pas de quoi je parle, et donc j'essaie de préciser, j'ai lui dit à ce moment-là, je parle des châteaux de la Loire, et là, ça a fait tilt, on a compris. Donc, ça donne de l'écho à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense que Loire a du sens. Donc, pour M. Nicolas Jean, ça n'a effectivement pas de, de résonance de parler d'identité, finalement, de marque région centre ou même Loire. Mais une entreprise comme, comme la mienne, au fond, elle en attend un certain nombre de choses. Parce qu'un territoire, pour certains, certaines entreprises, elle peut nous apporter beaucoup. Et là, je vais faire d'ailleurs écho à Vincent Saint-Étienne. Ce dont on a besoin, et bien finalement, c'est une région qui va être capable de nous apporter un réseau routier, ferroviaire. C'est vrai qu'il y a un projet qui est reporté aujourd'hui, mais qui est important, sur un axe de développement économique et qui peut servir à de nombreuses entreprises, ou tout simplement accéder à des plateformes aéroportuaires comme Orly ou Charlieu de manière assez rapide, d'être capable également finalement d'apporter de l'innovation, d'apporter de l'éducation, de former eh bien, les jeunes, d'être capable d'être attractif au fond et de créer effectivement un écosystème qui va permettre eh bien, à une entreprise comme la nôtre de bénéficier de l'attractivité de ce territoire, de tout ce qu'elle va lui apporter et de toutes les réformes que nos politiques doivent mener pour rendre nos entreprises eh bien, plus efficaces et plus performantes, plus pérennes sur ce territoire.